Puis Sébastien Hans, justement, expert en médecine chinoise, on a l'habitude de vous voir sur ce plateau. Et aujourd'hui, on va parler minceur, parce que c'est vrai que c'est la période des maillots de bain qui arrive, même quoi qu'en dise Thierry, c'est dans pas longtemps. Enfin, il paraît. Je pense qu'il va falloir laisser passer les seins de glace avant de sortir les maillots de bain. C'est vrai que je vais donc donner une conférence à Genève le 17 juin sur la perte de poids et la médecine chinoise, parce qu'il y a eu beaucoup de monde, beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me demander un petit peu comment faire pour perdre du poids et se trouver bien dans nos maillots de bain l'été prochain. Donc le 17 juin, ça sera à la salle Uptown à Genève. Il faut faire les réservations sur le site taomedicine.com dans la rubrique Events. Et c'est vrai que le poids, c'est une question qui revient souvent. On voit beaucoup les régimes minceurs à cette époque. Est-ce que il y en a 50 000, voilà, j'allais dire d'ailleurs. Alors, la question est, est-ce que les régimes minceurs marchent ou pas? C'est vrai que les problèmes de poids, depuis 40 ans en France, les gens grossissent. Le surpoids et l'obésité est en augmentation constante, surtout chez les hommes, plus chez les hommes que chez les femmes, et surtout depuis les années 90, où là, on atteint des taux d'augmentation beaucoup plus importants. Et on remarque aussi chez les niveaux sociaux, agriculteurs et ouvriers, où là, on prend encore plus de poids, plutôt que dans chez les intellectuels ou les cadres, qui, eux, statistiquement, prennent moins de poids. Alors pourquoi? Et c'est, je pense, une question d'éducation. Et c'est pour ça que je donne justement des conférences, ou même sur ma chaîne YouTube, des séries, des petites séries de vidéos pour donner des conseils pour bien perdre son poids, donc sur Conseil Santé TV, parce que c'est, je pense, une question d'éducation. Alors justement, est-ce qu'on peut avoir quelques petits conseils pour bien commencer déjà à se mettre psychologiquement ouais, en ordre? Je pense que déjà, c'est éviter les régimes, en fait, parce que les régimes, pour perdre du ça poids, peut vous faire perdre rapidement du poids, mais derrière, malheureusement, c'est un petit peu la cata. On reprend très très vite du poids. Donc c'est une question d'hygiène de vie et d'éviter certaines erreurs. Donc c'est vrai qu'il y a des petits trucs, comme par exemple ce premier petit truc que je peux simplement donner si vous voulez perdre rapidement du poids, c'est 30 minutes avant le repas, boire 2 grands verres d'eau chaude, alors chaude aux alentours de 60-70 degrés, comme un thé, mais 30 minutes avant le repas, on chauffe l'estomac, en fait, parce qu'en médecine chinoise, on considère qu'il faut, entre guillemets, beaucoup de feu dans l'estomac pour complètement digérer les aliments. Et ça ne sert à rien de manger pimenté, par contre. Bah, on peut, alors, les épices, comme le poivre ou tous les condiments, les épices qui sont piquants et de nature chaude, aident aussi, en effet, à bien digérer. Et si 30 minutes avant le repas, on boit 2 verres d'eau chaude, on va amener cette chaleur suffisante pour que l'estomac puisse sécréter correctement les enzymes digestives, les acides gastriques, et que le bol alimentaire soit bien digéré et que toutes les graisses soient bien éliminées. Donc ça, c'est un premier truc qu'on peut donner aux téléspectateurs. 30, mais qui est un petit peu en surpoids, 30 minutes avant le repas, 2 grands verres d'eau chaude. Bon, ça, de toute façon, c'est des conseils qui sont bons à prendre pour tout le monde. Avec Thierry et moi, on a un corps d'athlète, on n'a pas forcément besoin de perdre du poids, mais on peut quand même faire cette méthode qui c'est, va pas c'est nous ce que je voulais dire aussi, tout à fait, c'est que les conseils que je donne dans mes conseils santé de médecine chinoise sur ma chaîne YouTube, Conseil Santé TV, sont faits, en fait, exactement pour les gens qui veulent perdre du poids s'ils sont en surpoids, mais si les gens veulent prendre du poids, parce qu'il y a aussi des gens qui sont en sous-poids, eh bien, s'ils appliquent les mêmes conseils, ils reprendront, eux, du muscle, des chairs, du poids correctement. Donc, en fait, c'est plus des conseils de régulation de la santé. Et, par exemple, les deux grands verres d'eau chaude avant le repas, c'est valable pour quelqu'un qui est en surpoids, mais c'est aussi valable pour quelqu'un qui doit récupérer de la masse musculaire, du poids. Donc se mettre en appétit, entre guillemets, avec des verres d'eau chaude une demi-heure avant, voilà. C'est important. Donc, et pendant le repas? Alors, voilà, deuxième conseil qu'on peut donner, pendant le repas, pas trop boire. Éviter de noyer l'estomac, on va dire, dans un bouillon d'eau. Surtout, vous savez, au restaurant, on donne des carafes d'eau avec des glaçons. Ça, c'est à surtout pas consommer. C'est vraiment très, très mauvais pour la santé pour plein de raisons. Mais éviter pendant le repas de boire beaucoup, parce que si on dilue tous les sucs gastriques pendant que l'estomac est en train de digérer, bah, ça va juste stopper la digestion. On va mettre beaucoup plus de temps à digérer, on va fatiguer l'énergie du système digestif et du coup, on va accumuler beaucoup plus de graisse, de toxines. Ça va être moins efficace au niveau de l'action de drainage et d'élimination. Donc,
peut boire ou pas boire pendant le repas. Et si on boit, le conseil, c'est de boire juste l'équivalent d'un verre, j'allais dire, un petit verre d'eau d'alcool. Chaude. C'est voilà. Considéré pareil, le vin rouge. Le vin rouge chaud. Alors, c'est vrai que pour se faire plaisir, de temps en temps, on peut consommer un bon verre de vin rouge, ce qui peut aider d'ailleurs à digérer les graisses animales, les viandes rouges, etc. Mais le mieux, si on veut perdre son poids ou prendre du poids, si on a envie de prendre du poids, en tout cas, si on veut bien digérer, se sentir bien léger, avoir une digestion efficace, notamment quand on a un repas un peu riche, c'est de boire très peu d'un verre d'eau chaude qu'on a fait chauffer. Pas l'eau chaude du robinet, parce qu'en général, il y a des bactéries dedans, mais de l'eau qu'on a fait un petit peu chauffer. Vous savez, un Chinois, quand on va au restaurant avec un Chinois, il vous commande, il commande au serveur un pichet d'eau chaude. Voilà. Alors, ça surprend toujours beaucoup, beaucoup de monde. C'est culturel. Et c'est vrai que ça permet de rester léger, d'avoir une digestion efficace, d'apporter cette chaleur dans l'estomac et d'éviter donc d'accumuler des graisses et des toxines. Ça marche avec la tartiflette aussi ? Ça marche surtout quand on mange des repas riches. Parole de Savoyard. De toute façon. Et puis après le repas, est-ce qu'il y a une méthode, Alors, c'est vrai que, pareil, si on veut perdre du poids, pour ne pas ralentir, encore une fois, l'action digestive, après le repas, une fois qu'on a fini de manger et de boire son petit verre d'eau chaude, on n'ingurgite plus rien dans les 2 heures qui suivent le repas. C'est-à-dire, plus un verre d'eau, plus rien du tout. On ne met plus rien dans la bouche pendant les 2 heures qui suivent le repas pour tout simplement laisser l'estomac digérer tranquillement. Il est vrai qu'il est bien de bien boire entre les repas, beaucoup d'eau, parce qu'on a besoin de s'hydrater, mais pas dans les 2 heures qui suivent le repas pour ne pas, encore une fois, noyer l'estomac dans une espèce de bouillon d'eau qui ne serait pas efficace à la digestion. Donc voilà, il vaut mieux éviter ça, tranquillement de faire quelques pas, on dit en médecine chinoise, faire 100 pas après le repas pour lancer la digestion, éventuellement une petite sieste de 10 minutes, si on a le temps, ou sur son bureau, ou dans sa voiture, pour se reposer un petit peu, et se remettre en activité au travail ensuite. Pas de trop longue sieste, surtout, parce que c'est très mauvais pour la santé aussi. Merci beaucoup, Sébastien Hans, pardon. On le rappelle, en conférence à Genève le 17 juin, c'est à l'Upton. Réservation obligatoire. Voilà, réservation sur le site taomedicine.com dans la rubrique Events. Et surtout, n'hésitez pas à vous rendre sur ma chaîne YouTube aussi, Conseil Santé TV. Vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Et tous les mardis, vous aurez une petite vidéo. En ce moment, je suis sur une série perte de poids.